Je vais vous présenter une partie de l'équipe parce que tout le monde n'est pas là. Oui, tu me veux que je sois là. Je ne m'occupe pas, parce qu'il faut que tu sois là. Le responsable ici, c'est qui? C'est toi? Pourquoi faut que je sois là? Tu veux que j'aille chercher Mathieu, le boulanger? Il va mieux répondre aux questions. Hein? Donc, je vais vous présenter le gros de l'équipe. Alors, moi, je l'appelle Baguet, mais il ne s'appelle pas Baguet, en fait. Il s'appelle Aurélien. Baguet, c'est une vieille histoire. Quand il est arrivé, il avait un bras à la cheville. Et pourtant, ça va devenir un très grand patron. Dites-moi, ils ont tous un prénom. Ouais. Ils ont tous un surnom. C'est un surnom. Maurice, qui est mon fils, pareil. Qui s'appelle pas Maurice. Non, qui s'appelle Florian, qui est arrivé chez nous avec, en étant en échec scolaire. Mais quand je vous dis échec scolaire, c'est moins qu'on puisse dire. Là, on a Stéphane. Viens voir Stéphane. Voilà. Donc, lui, on ne l'appelle pas Stéphane, mais on va l'appeler Stéphane aujourd'hui parce qu'il n'aime pas trop son surnom. Et ça, c'est un apprenti aussi qui est venu nous rejoindre. C'est comment ton prénom? Nolan. Nolan, c'est ça? Nolan. On a Michael là-bas, pareil, qui est venu, qui réapprend un peu son métier, qui réapprend un peu tout. Là, on a Gérard, c'est l'ancien, mais qui joue une part très importante dans la formation des jeunes. Voilà, parce qu'il leur apprend, vraiment, il leur transmet tout ce qu'il sait. Fanny Blair, vous l'avez rencontré comment? Oh, j'ai rencontré via l'association Aurore qui nous a démarché en nous disant qu'ils avaient des jeunes à nous proposer pour faire une carrière de boucherie. Et alors vous venez d'où, Faïmoula? Je viens d'Afghanistan. Il n'y a rien de compliqué pour moi, c'est un jeune comme un autre. Hein. Mmh. Après, qu'il soit issu de l'immigration, qu'il soit réfugié ou qu'il soit juste un jeune en perdition ou pas d'ailleurs, peu importe, un jeune qui veut travailler, qui a envie d'apprendre un métier, moi, là, je suis preneur. Et alors, vous, la boucherie, c'est quelque chose que vous connaissiez déjà? Oui, je connaissais déjà. Ouais. Parce que j'ai bouché. Quand j'étais d'Afghanistan, c'est travail, c'est mon pire. C'est famille bouché. Quand il est arrivé chez nous, on a tout de suite vu qu'il avait des bases, effectivement. Après, le travail de la boucherie en France, en Afghanistan, c'est pas du tout la même chose. Mais bon, il s'est bien intégré, il comprend bien, même s'il y a des fois un petit peu le barrage de la langue qui a un petit peu des problèmes. Mais bon, à travers les gestes, on se comprend très bien. Vous entendez bien avec vos collègues? Ah ouais? Ouais, exactement. Ouais. 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 Ma biche. Ma biche. C'est qui ma biche? Mais, quand il partait le soir, comme il ne maîtrisait pas trop la langue, et le responsable, il disait, bon, allez, salut ma biche, à demain. Ouais. Et donc, moi, quand je lui dis au revoir, c'est une anecdote, quoi. Quand je lui dis au revoir, il me fait, au revoir, à demain ma biche. Donc voilà, il appelle un peu tout le monde ma biche maintenant. Même moi. Et l'intégration au travers du travail, moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux, quoi. Mmh. Il y a un échange, on est des collègues, voilà, on est dans le même bateau, quoi. On est des collègues, voilà, quand il faut y aller, on y va. Quand il faut se donner un coup de main, on se donne un coup de main. Et tout ça, ça crée des liens. Et le travail, je pense que c'est une très bonne chose. Il y a une place pour tout le monde, je pense. Il faut juste la trouver. Des fois, c'est pas simple. Il faut un coup de main, ben voilà, il faut donner le coup de main. Dans une société, si on commence à délaisser tous ceux qui ont un peu plus de mal ou qui n'ont pas eu de chance, parce que souvent, c'est pas de chance, hein. Vous savez, moi, je viens des barrages HLM. Hein. Je suis né dans un quartier très sensible d'Orléans. J'ai passé toute mon enfance dans ce quartier. J'ai eu une jeunesse un peu chaotique et compliquée. Puis aujourd'hui, ça ne m'a pas empêché de créer BBT, d'être là où on en est. Et puis, vous savez, à force qu'on vous dise que vous êtes nul, vous finissez par y croire. Et le plus difficile, c'est de trouver quelqu'un qui vous fasse penser le contraire de vous-même. À partir de là, vous avez déjà fait un pas énorme. Et c'est ce qu'il faut aller chercher tout de suite. Leur redonner confiance en eux. Non, mais non, t'es pas nul. Non, pas nul. Et justement, et c'est là où ça devient encore plus valorisant, moi je trouve que c'est là, c'est quand ils sont tombés des fois très bas, et puis que vous les retrouvez 3-4 ans après, vous vous dites, c'est pas possible quoi, il a pas fait chemin là. Ben si, il a fait chemin là. Si on faisait tous un petit peu ça, si chacun prenait conscience de ça, on vivrait peut-être dans un monde meilleur, moi c'est ce que je pense.